On se remémore bien sûr le grand Mesut, buteur légendaire de cette équipe de Chefs. Rien à dire. Alors non, et là, on essaie toujours de trouver les bons espaces sur le côté, alors que là... Oui, le but. Et c'est le premier but. Ça se sentait hein, depuis quelques minutes et c'est Kendouzi qui est parti. Et quelle vision de jeu. Ouais, très alors, bonne inspiration de Qaraoui Amir de l'extérieur du pied. Et il a repris le ballon comme il le venait, sans attendre, sans réfléchir. En première intention, l'extérieur du pied gauche de Qaraoui est meurtrier. Et là, Kendouzi ne fait que continuer l'action. Un but à zéro en cette 17e minute de jeu. Et Kendouzi... qui marque le premier but, Samir. Il faut signaler la passe vraiment géniale de Qaraoui qui met vraiment en orbite Kendouzi qui avait vraiment carmé son tir. Kendouzi va jouer. Alors il y a Kendouzi ou Debari, ça dépend. Hein. Si c'est direct, c'est Debari. Et sinon, je pense que ça sera Debari qui va tirer. Excellent. Ou sinon, ça va combiner. Non, Debari directement. Oh, le but non! Oh, ça a rasé la transversale. Ah, c'était bien tiré, bien lifté, bien travaillé, le coup franc. Et ça a laissé Pantois le gardien. Excellent là. Ballon bien travaillé qui... Malheureusement, il n'est pas cadré. Si c'était dedans, c'était kiff kiff, on va le dire. Non, mais on voit. Et il tirait le coup franc. Voilà, alors on revoit le but. Mais la balle extraordinaire, hein, la passe décisive de Qaraoui. C'est une offrande. Et c'est un caviar. Sur un plateau d'or et la joie des Sétifiens est très belle. Et regardez cette courbe. Attention là, récupération rapide de Amola. Amola qui va tirer. Ah, il a cherché la lucarne et c'est pas passé très loin. Ah, l'audacieux, le feu follet Amola qui, dès qu'il a eu le ballon, il a levé la tête. Regardez ce qu'il fait. Il lève la tête et il tire. Il tente sa chance, même si c'est un peu long. Mais regardez, c'est pas passé très loin. Là, on le voit, le joueur qui a pris l'information et elle a juste cadré son tir et ça n'est pas passé loin. Ah, ça. Et on appelle ça, si, je ne sais pas si vous le connaissez, ça vient de thème, c'est un sétif. On s'est bien joué avec Racha. Racha, oh, quel beau contrôle. Et personne pour reprendre ce ballon. Ah, il a fait le plus difficile. Il a mis dans le vent toute la défense grâce à ce crochet qui a dérouté tout le monde. Et difficile pour Ben Hamla eh bien de résister. Puis c'est vrai qu'il a pratiquement démissionné. Attention, la Wafi, mais belle action, c'est bien, belle action. Vous l'avez dit, Ismaël. On va la revoir, je pense qu'on va la revoir. D'une déroute. Voilà, on revoit, regardez d'abord cette. Ouais. Et. Regardez ce qu'il fait Recha. Oh, il met dans le vent Ben Hamla. Là, heureusement pour les Chérifs. Qui va tenter de trouver une tête. Le ballon passe. Et... j'ai par les blessures. Mais... c'est dommage pour lui. Oh, là, c'est un bon ballon pour Darmoum. Là, ça sent le danger. Darmoum qui accélère. Darmoum qui rentre dans les 18 mètres. Darmoum qui garde trop le ballon. Et tiré. Sahnoun, intérêt bien à courser l'addition. Parce qu'en deuxième mi-temps, il risque d'y avoir une autre physionomie de la rencontre. Vous savez, on ne sait pas ce que va dire Moussi. Attention, il rentre dans les 18 mètres. Oh, là, on cherche le but. Non, Amola, qu'est-ce qu'il nous rate, Amola. Oh, Amola qui met le ballon hors du cadre alors qu'il n'y avait personne devant lui. Quel travail intelligent de Recha qui a levé le ballon. Il aurait dû laisser. Oh. Il a voulu assurer le coup, vraiment mettre un coup de tête marquer, alors que. Il veut marquer Amola, mais regardez. Il a forcé son coup de tête, il voulait. Et de monsieur Ben Balaham sur le score de 1 but à 0 pour Sétif. Recha, il est plus rapide que tout le monde. Recha, il y va tout seul. Oh oui, à l'entrée, c'est à l'entrée des 18 mètres, vous savez. On va voir. En tout cas, monsieur Ben Balaham n'était pas loin. Ouais. Il a deux possibilités, soit tirer extérieur ou à l'intérieur. Quoique sur cette distance, il faut vraiment donner un peu de puissance pour que le ballon
disons, redescend très vite. Mais c'est même de l'effet plutôt que de la puissance. Je dis un peu de les puissance deux, juste de l'effet pour, de la ouais, puissance. Pour qu'il redescende très vite. C'est pour ça. Enfin, pour moi, c'est un gaucher. Hein. Mais ça peut être Debari. Ah, c'est la Wafi. Et le ballon, c'est le fond d'eau, c'est vrai. Mais attention, Kendoussi qui va tirer. Et le but. Oh, Kendoussi. Le doublé de Kendoussi et les explications des joueurs. Mais c'est vrai que Kendoussi n'a donné aucune chance au gardien Sahnoun qui a tiré à ras de terre. Et monsieur, allez, la panne lumineuse, ah oui, ça va faire jaser, comme on dit. Et regardez le tir. Mais parce que les Chilifiens s'attendaient à ce que les joueurs Sétifiens leur rendent le ballon. Mais là, le ballon était dans l'épée des Sétifiens avant. Hein, ah, là, on l'a dit, la loi est la loi, là, donc elle est implacable. Alors, et les explications, mais on revoit le but d'abord. Et Kendoussi, c'est pas posé de question. Il a ras de terre, il a vu que l'équipe n'était pas encore bien en place. Regardez, boulet de canon. Sans opposition. Sans opposition. On va dire qu'il a raté sa sortie. Non, il y avait déjà un joueur en position de hors-jeu. Et regardez Charol qui a tenté le. Changement offensif. Ben oui, parce que il n'y a plus. Comme dirait Feu, l'HB Hantas, des cartes sont cuites. Peut-être à 2 à 0, même si je crois que c'est loin. On est encore loin dans le jeu, mais. Je crois qu'à 2 à 0. Nahari aussi, et je pense qu'il est un peu groggy depuis. Il a changé de jeu. Le coup reçu tout à l'heure. Déjà, on est un peu plus haut devant. Mola, le troisième but. Oh, Mola qui corse l'addition. Et 3 à 0. 3 à 0 pour l'Entente Sétif qui est en train de dérouler. Et oui, et il marque. La comme fusée l'avait prédit. Ça, c'est la fusée Amola, Smaïn, on l'a vu. Hein. Ah, regardez. Quand il est sur orbite, on ne rattrape plus. Ah, regardez, il a le temps d'ajuster son tir. Regardez, entre les bras. Hein, c'est passé par l'aisselle du gardien de but. Et on force, et Amola qui marque son cinquième but avec l'Entente Sétifienne. La pointe de vitesse de Amola est exceptionnelle, Smaïn. Vous avez vu, juste sur le contrôle, il a pris 2 mètres sur son vis-à-vis. Et là, il n'avait juste qu'à ajuster le tir. Et ça fait un très joli but. Et qui a donné la passe? Le buteur Kendoussi. C'est lui qui a mis en orbite Amola. Et le coquille qui se prosterne. C'est vrai c'est sa manière de célébrer.